السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد جايتي في فيديو خاص. إن شاء الله بإذن الله غادي نديرو اون بوتيت ديمونستراسيون كومون رياليزي ان بروجي افيك سبرينغ بوت، نوتامون اون فا يوتيليزي ريست اي بي اي. دونك إن شاء الله قبل ما نبداو فعلوا الجرس واشتركوا بالقناة، هالقناة ديالي محمد جايتي. Donc voilà, vous allez des vidéos concernant par exemple JavaScript, démonstration sur les projets LinkedIn, ainsi qu'en Java, qu'en d'autres vidéos. Inch'Allah, bi'idhnillah, nous sommes en train de faire cette chaîne jusqu'à nous donner des informations, bi'idhnillah. Donc, je vais inch'Allah le projet d'Yana. Donc, je vais réaliser l'application, une petite application. Je vais inch'Allah, bi'idhnillah, qui va utiliser la technologie REST API avec Spring Boot. Donc, premièrement, je vais cocher ou bien je vais choisir Spring Initializer. Donc, tu peux utiliser Eclipse ou tu peux utiliser IntelliJ. Moi, je préfère IntelliJ parce que c'est beaucoup des outils qui permet de faciliter la gestion des projets avec Spring. Donc je vais travailler avec Spring Initializer. Donc voilà la version d'Eli NIA13. Tu m'auras peut-être une conversion moins que cette version ou bien la dernière. Donc je ne sais pas, maintenant la dernière chal. Mouhim. Donc à t'challi ou à t'chiki mawa. On dirait inch'Allah bin next. Donc on va nommer le groupe d'Eli. Donc par exemple, démo Spring. Donc, point par exemple, library. Donc, on va travailler un projet library. Donc, s'appeler library. Donc, voilà notre projet. Donc, library project for Spring Boot. Alors, voilà le package de Radin Khadmouli. Mais l'Ehsan, Spring. Je vais me prêcher à Audia. Voilà. Donc, demospring.library. Comme War ou bien Jar. Donc, pour le déploiement des paquets, on va déployer sur le Jar. Donc, next, on va choisir l'onbook pour gérer les getters et les setters. Alors, pour la partie web, je vais cocher Spring Web. Aussi, les REST Repository. Principal SQL, je pense à la GPA d'Aurore, mon Hibernate GPA, et je vais travailler derrière H2 database, donc juste la console. Quand on fait mon MySQL, mais c'est pas mais si, donc juste derrière à titre d'exemple, on dirait le projet, mais on va faire mon MySQL et Haja à la H2 à la MySQL, donc c'est la même chose. Alors, donc ça va être l'onbook, ça va être Spring Boot, Spring Web, pardon, et REST Repository pour dire les traitements là, donc avec GPA, donc Spring Data GPA et H2 Database, donc super. Donc next, je vais choisir l'emplacement les radins dire fait le projet. Donc je vais travailler avec Workspace IntelliJ, donc voilà, donc non Workspace IntelliJ. Donc voilà. Alors donc voilà le Workspace l'inclut. Donc c'est Workspace IntelliJ. Donc location de mon projet Library Project ou bien Library Spring. Donc super. Alors voilà le workspace d'Ali. Donc finish. Alors the project, voilà. Donc this window, super. Donc workspace Hawa, c'est workspace IntelliJ Library Spring. Donc notamment d'abord le projet a loadé les dependencies avec Maven. Donc import a change avec Maven. Donc voilà, le projet d'Ali a été bien mis en charge. Donc voilà. Donc maintenant,
ou bien le folder source. Donc, où est le folder source qui est le main, et qui est le Java, et qui est le resources. Donc, هذا هو le package initial de notre application. On va trouver la classe, c'est la library application. C'est la classe qui va runner l'application, bien qui va starter l'application. Donc maintenant, je vais initialiser à créer les packages nécessaires. Donc, on va créer le controllers. Je vais créer un package le controllers. Donc, point controllers. Et un autre package has les entités, entities. Et un autre package has la couche DAO. Voilà. Donc, juste Hachi. Donc, la couche DAO, principalement, on va travailler avec GPA. Donc, il n'est pas nécessaire de mettre un autre package qui s'appelle métier. Mais avec une autre application qui est très grande, très robuste, on pourra ajouter notre package s'appeler métier pour gérer d'autres méthodes et d'autres fonctions. Donc maintenant, je vais créer une classe qui s'appelle book. Donc toujours la classe majuscule. Donc voilà, notre classe s'appelle book. Alors, bien évidemment, c'est une entity, donc voilà, c'est pour la persistance des données. Donc je vais travailler avec initialiser les paramètres nécessaires. Donc c'est long, c'est pour ID, private, je vais mettre name, donc le nom de notre book, donc string name, private string order, yani l'auteur, private string disk, yani description. Alors, khasna daba wahed l'ID. Donc, je vais générer ID. Donc, l'ID hada khas l'ID diana. Donc, c'est tout simplement generate value. N'samlo stratégie diana generate value. Point identity generate type, pardon, point identité, c'est pour l'identité. Donc kif درنا قبل initialiser notre projet avec Lombok. Donc je vais travailler avec data pour gérer les getters et les setters. Donc, sans initialiser, il y a les getters et setters qui sont générés automatiquement. Avec all constructor, arg constructor, il y a un constructeur avec tous les paramètres. Avec no arg constructor, il y a un constructeur sans paramètres. Super. Je peux gérer une méthode toString. Il a date. Darura il a dalik. Voilà notre classe, ou bien c'est l'entité d'Yana, les yebooks. Maintenant, je vais gérer la partie GPA ou bien la partie accès aux données. Alors, je vais choisir l'interface. Donc, cette interface, c'est Book Repository. Repository. Voilà. Donc, l'interface d'Yana Extend de GPA. GPA Repository. Donc, va prendre le type Book. Et langue, c'est pour l'ID. Donc voilà, importer le book tienna. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je vais travailler juste avec REST resource, REST repository, pardon, repository, REST resource. Donc, je vais pas créer les contrôleurs, ou bien après, on va créer les contrôleurs avec les méthodes REST. Donc maintenant, il a repository REST resource. Quand je tape par exemple notre maintenant localhost 2. Ainsi de suite slash books
Donc, elle va me donner la liste des books. Donc, tout simplement sans initialiser ou bien sans coder les fonctions avec la notation, on va prendre toutes les méthodes nécessaires avec les routes nécessaires. Donc, maintenant, créer un repository Diana. Alors, les paramètres de notre application, juste le serveur port. Par exemple, il y a plusieurs ports. Je vais maintenant choisir 500. Donc, 102 points. Voilà. Donc, j'ai créé les entités, j'ai créé le book repository. Donc, je peux maintenant créer les contrôleurs d'Eoli. Alors, Gna, sans créer les contrôleurs, l'application va vite, très vite, Rana. Inch'Allah, donc, قبل ما نراني لابليكاسيون غادي نمشي غادي نزيد واحد اللعيبه دونك هاد اللعيبه اللي غادي نزيد مهمه جدا انه غادي ندير ريبوزيتوري برايفت ريبوزيتوري ريسورس جو سي با ما عقلتش عليها مزيان صراحه نقلبوا عليها هنا راح بما انني قلت لكم انه تري انتيليجون هاد الاي دي راه كيعطي بزاف ديال لي فونكسيون نيسيسير دونك سي ريبوزيتوري ريست كونفيغوراسيون جو بونس سي ريست كونفيغوراسيون فوالا دونك ريست كونفيغوراسيون علاش اختاريت هاد لا ريست كونفيغوراسيون جوست بور جينيري لي اي دي لانه ما يطلعوش ليا ملي غادي نخدم بوستمان الوغ سي امبليمنت كوموند لاين كوموند لاين رانر دونك هاد كوموند لاين رانر عندها واحد لا ميثود ديالها سي ران ران دونك جوست دابا غادي نستعمل ريبوزيتوري بوان ريبوزيتوري كونفيغوراسيون بوان اكسبورت اي دي فور عندنا لا كلاس وحده اللي غادي نستعملوها هي بوك دونك بوك بوان كلاس دونك فوالا جوسكا مانتونو كلشي مزيان الوغ غادي نرجع للريبوزيتوري ديالي دونك فوالا راه نقدر نستعمل هذه كافيه ولا نقدر دابا نكريي لي كونترولور ديالي مي جوست غادي نستعمل غير هذه الوغ جو في مانتونو راني لابليكاسيون غادي نستعمل بوستمان فوالا هي نوتخ ابليكاسيون Alors, je vais maintenant voir l'erreur parce qu'il y a une erreur. Alors, exception failed to execute command line runner. Alors, je vais encore une fois exécuter l'application parce que parfois ma cat exécute tâche. Bien. Alors, maintenant, on va postman. Je vais générer. Les routes tiennent ou bien les routes. Toujours il y a un problème. Alors, je vais voir pourquoi ce problème. J'ai déjà compte la LIA ou à outrunner l'application. Alors, fail to execute command line. Alors, tout simplement, mets en commentaire. Ah, je. J'ai pas mis l'auto-wired, donc l'injection de dépendance. Donc c'est auto-wired, cita. Donc voilà, c'est tout simplement injecter, ou bien l'inversion de contrôle nécessaire et application Spring. Alors voilà, le problème, donc j'ai un site. Alors tout simplement, l'application Dienar s'exécuta complètement sans erreur. Voilà. Started library application. Voilà. Donc l'application d'un an sans erreur. Alors, il a d'abord
get مثلا voilà ها الاغل درت لي send il va me donner quoi il va me donner liste des books donc jusqu'à maintenant j'ai pas mais les books voilà la réponse donc qu'est-ce la réponse content type dielha JSON alors voilà j'ai pas mis les books donc par exemple je vais mettre une méthode post avec body maintenant learn spring ainsi de suite voilà donc our id dielna one et name learn spring other jt med et description book pro donc voilà je peux mettre par exemple une autre addition learn java book pro for developers voilà post c'est la méthode post alors voilà tout simplement si je fais maintenant get donc hachi sans mentionner les contrôleurs donc juste avec rest resource repository j'ai عندي الحق نستعمل اي ميثود دونك فوالا سون بارامتر بيان سور مانتونو فوالا لا ليست دي بوك الى جيت لا كوتي باك فرونت اند جو بو رونفويي هاد الابي سوا با اكزامبل انغولار نستعمل اس تي بي كلاينت موديول او بيان افيك رياكت نستعمل اكسيوس Donc, je peux, par exemple, afficher la liste des books qui sont Donc, voilà, on dit l'ID 1, ID 2. Donc, je peux maintenant, par exemple, déliter et supprimer l'ID à partir de l'ID 2. Voilà. Donc, tout simplement, on a un résultat. Mais, il est juste que j'ai un statut de 104, donc non content. Il y a un résultat. On ne renvoie rien. Donc, c'est la méthode par défaut, c'est void. Alors, si je fais, par exemple, get, on je vais voir la boucle de يعني تمسحات donc voilà l'ID 1 هو اللي بقى عندي donc tout simplement avec هذه la notation je peux travailler sans mettre les méthodes l'interface book repository donc maintenant je peux par exemple manipuler les contrôleurs d'ILI je vais créer une autre classe qui s'appelle book controller voilà donc avec cette classe je vais travailler avec la notation rest controller donc pour gérer les routes tout simplement alors par exemple je veux mais sans oublier d'injecter la repository DNA donc private book book repository cbr par exemple alors donc c'est auto wired alors voilà c'est auto wired donc par exemple public la méthode list va renvoyer liste des books donc liste des books c'est get all book par exemple all books ou là all book je sais pas donc voilà importer la classe book oui importer la classe list super ou bien l'interface list c'est pas une classe alors je fais get donc c'est la méthode get donc c'est get mapping avec la value donc de notre route c'est slash books par exemple ou bien on va changer all books super alors cette méthode va renvoyer quoi va renvoyer br.findAll donc va finder tous les books et va renvoyer une liste des books alors je vais mettre une autre méthode par exemple put donc avec la méthode put donc c'est update donc book update book cette méthode va prendre des paramètres donc c'est le premier paramètre c'est l'id de notre book et la book donc par exemple, c'est path variable. Path variable va prendre le nom quoi? C'est ID avec long, c'est ID
Et request body, les gens qui travaillent avec Node.js, qui font bien sûr un les request body, les paths, les params, ainsi de suite. Donc c'est la même chose. Aye framework, aye langage, c'est le même principe, juste les syntaxes qui se battent. Donc set ID, donc c'est notre ID, et return va retourner quoi? br.save. Donc ce sont des méthodes qui sont déjà prédéfinies dans notre repository. Donc save. Donc save, nous va saver la boucle ou bien le book d'NFB. Donc, هذه ما غاديش تخدم juste خصني نستعمل la notation put mapping. Donc, value ديالها غادي يكون هو اش هو slash par exemple books par exemple ID. Donc, voilà. Jusqu'à maintenant, j'ai juste choisi get et put. On pourra choisir par exemple delete, mapping. On pourra aussi choisir post mapping. Donc j'ai choisi update et list. Donc tout simplement, c'est très basique, très simple. Donc c'est la méthode Claude Lekarafakulchi. Alors, je vais encore une fois runner l'application. Voilà. Alors, il est d'abord slash all books. Je vérifie où, ben je vous, je donne le value d'un et all books. Voilà. Je vais regarder la liste des books. Donc, c'est vide. Tout simplement, c'est vide. Alors, si je fais, par exemple, post maintenant, donc, à l'énergie, le books d'un. Donc, c'est books. Voilà. Et là, j'ai par exemple le. Donc maintenant, on regarde le path leader all book. Je fais get, voilà. Non, c'est erreur. Pourquoi erreur? Notre sound, non, mais ça, je vais. Donc c'est all book, c'est pas book. Alors je vais vérifier all books, voilà. All books. ومن الأحسن يكون بات واحد اي بارتي هذا البات هذا كنغيرو لي فالور اللي غادي نستعملو سوا مثلا جو بوغي دير جو فولي دير باردون لي ميثود سي با لي فاريابل لي ميثود باغ اكزومبل جيت بوست ديليت انسي دو سويت دونك فوالا ها هو عندنا البوك الاول اي دي دونك تو سامبلومون افيك هاد لا ميثود elle est plus simple que l'autre, que books. Books, il agit de vérifier ou alors maintenant. Books, alors embedded, books, ainsi de suite. Donc avec cette méthode, all books, avec tout simplement, directement, les books, les sont ajoutés. Et par la suite, il a utilisé Angular ou la React, ça va être facile avec mémoire. Alors, je vais vérifier maintenant avec put. Je vais le path leader avec put. Dans slash books. Donc, tout simplement, je vais faire ça. Par exemple, le 1. Java 2. Voilà. هو تبدل ان رجعت الجيت ديالي افيك هاد الغوسورس اللي ديجا كاينه في جي بي ا فوالا سي جافا 2. الوغ جوسكا مانتونون شفنا كيفاش نستعملو ريست ابي اي افيك سبرينغ بوت. الوغ جيسبيغ انكم تكونوا فهمتوا ان شاء الله باذن الله. وهادشي راه تري فاسيل تري بازيك. Juste, il a comme une autre application qui est très, yani, très grande, très robuste, ainsi de suite. Donc, il faut faire la conception, bien évidemment, qu'il y ait des outils de conception. Ou ce qu'on fait, le GPA, le NGPA, il y a le marché de la conception qui va nous permettre
les relations, de mapping, one to many, many to one, ainsi de suite. Donc, tout simplement, la conception, il y a quand une application mal conçue, soit front-end, soit back-end, gérer toutes les fonctions libérées de Ethereum. Alors, jusqu'à maintenant, je fais une simple démonstration à comment Spring Boot gère les routes avec ou bien les REST API. Tout simplement, c'est très facile. Jusqu'à maintenant, c'est le mot Spring Boot. Par la suite, Spring Boot, ou bien Spring en général. Spring Boot, juste une extension de Spring qui va être, ou bien qui facilite la maintenance d'une application. Alors, Kifkingol, Spring, مهم جدا لانه بار لا سويت غادي تستعمل نود جي اس ولا تستعمل اي فريم ورك لارافيل سيمفوني انسي دو سويت غتلقى لو يعني لو ميم كونسيبت وهاد الكونسيبت سوا باك اند سوا فرونت اند بار لا سويت تقدر تخدم في سبرينغ بوت افيك فرونت اند جوسكا مانتونو خدمنا غير بارتي باك اند دونك سي لو ميم برانسيب وغادي تلقى الامور سهلت بكثره لانه افيك سبرينغ غادي تفهم لانجيكسيون دي ديبوندونس اللي ولا كتعمل qui s'amélioure à l'abri framework par Angular. Donc Angular, parce que j'ai quelque chose je vais faire par exemple ma quiche l'autre je n'aurai comme démonstration à Angular, mais par la suite on va faire une démonstration. Alors donc salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, on te met en chalant la kauf vidéo qadim.